Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Il faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse, rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Matar uma pessoa não tem importância nenhuma. É preciso observar, vigiar, refletir, muito. E no momento certo, aprofundar o vazio. Aí tem, aprofundar o vazio. Desenvencilhar-se para que o universo encolha, encolha, até se condensar no cano da espingarda ou na ponta da faca. É só isso. At dræbe nogen er ingen sag. Man skal jagtage, overvåge, tænke sig om meget. Og når det er nu, søg ind i tomheden. Det er det. Søg ind i tomheden. Sørg for, at universet skrumper ind, skrumper så meget ind, at det kondenserer sig i et geværløb eller på spidsen af en dolk. Det er alt. Matar a alguien no es nada del otro mundo. Basta con observar, vigilar, reflexionar mucho y llegado el momento vaciarse. Eso es, vaciarse. Apañárselas para que el universo se contraiga, para que se contraiga hasta condensarse en el cañón de un fusil o en la punta de un cuchillo. Eso es todo. Kvaka nije u samom ubijanju. Valja promatrati, uhoditi, razmišljati i to mnogo i u danom trenutku napraviti čistac. Baš to, napraviti čistac. Postići da se svijet usuče i svede na puščanu cijev ili oštricu noža. I to je sve. It's not the killing. That's not the thing. Got to watch, monitor, think a lot. And come the time, carve into the void. That's it, carve into the void. Find a way to make the universe shrink. To make it shrink until it's condensed into the barrel of the gun or the point of the knife. That's all. Ubiti človeka, to res ni nič takega. Treba je opazovati, vse nadzirati, o vsem razmisliti in to temeljito, ter v danem trenutku izdolbsti praznino. Tako je, izdolbsti praznino. Doseči, da se vesolje skrči, skrči in se zgosti v puškini cevi ali na konici noža. To je vse. Ammazzare la gente è una cosa da niente. Bisogna osservare, controllare, riflettere parecchio e al momento giusto svuotare la mente. Proprio così, svuotare la mente. Fare in modo che l'universo si stringa, fino a condensarsi dentro la canna del fucile o sulla punta del coltello. Tutto qui. Nem nagy szám megölni valakit. Kilesni, megfigyelni, agyalni, sokat. És amikor eljön az idő, hagyni, hogy beszippancson a vákum. Ennyi. Összezsugorítani az univerzumot akkorára, mint a puska csöve, vagy a kés hegye. Schluss. Jemanden umbringen, das heißt noch gar nichts. Man muss beobachten, überwachen, nachdenken, sehr viel nachdenken und im entscheidenden Augenblick eine Leere schaffen. Das ist es, eine Leere schaffen. Es hinbekommen, dass das Universum sich zusammenzieht, sich so lange zusammenzieht, bis es sich auf den Gewehrlauf oder die Messerspitze verdichtet. Das ist alles. Bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue à cette soirée avant-première, en ouverture du printemps de la traduction, de notre printemps, accueilli une fois encore à la Maison de la Poésie, que je remercie particulièrement. Je remercie Olivier Chaudançon et toute l'équipe technique, toute l'équipe administrative qui, cette fois encore, nous ouvre leurs portes. Je suis Yann Cambrelin, directeur d'Atlas, l'association qui organise le printemps de la traduction. Et nous avons sous-titré cette soirée « En attendant le printemps » et vous l'adressons comme un premier signe du dégel de l'hiver culturel particulièrement rude et long que nous avons traversé. Dégel que nous voyons poindre avec le 19 mai à l'horizon. Voilà. Et en attendant donc, l'hiver étant propice à la littérature, et cet hiver anormal à une littérature qui ne l'est pas moins, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter 10 hôtes illustres de notre auberge du lointain qui ont passé une semaine au Collège international des traducteurs littéraires à Arles et qui se sont réunis pour l'occasion mettant ensemble leur traduction presque synchrone de l'anomalie d'Hervé Le Tellier. 9 des 41 traducteurs traduisant vers 40 langues
dont la dernière en cours est l'indonésien. Neuf de ces traductions fraîchement éditées en cours ou à venir, neuf des traducteurs étaient présents et je vais vous les présenter tour à tour. Ils sont tous européens, ce qui est aussi un effet de la fermeture des frontières. Nous aurions volontiers été plus nombreux, mais voilà, nous avons déjà été très heureux de les accueillir tous les neuf et je commencerai donc ce tour d'Europe par Tania Ganhos, venue du Portugal. Puis, à ses côtés, le Danois Per Bundgaard. Et puis, à ses côtés, Pablo Martín Sánchez, qui traduit vers l'espagnol. Ursula Burger, qui traduit vers le croate. Adriana Hunter, qui traduit vers l'anglais. À mes côtés, Janina Kos, qui traduit vers le slovène. Anna Delia, qui traduit vers l'italien. Adrienne Gouliach, qui traduit vers le hongrois, et Jürgen Ritte, qui a co-traduit vers l'allemand avec Romy Ritte. Voilà, ils sont là, tous les neuf au plateau, à avoir passé donc cette semaine avec nous et avec Hervé Le Tellier à Arles. Dans le train qui nous a menés de Arles à Paris, un sympathique contrôleur, voyant l'anomalie sur ma tablette, m'a demandé de quoi parle le livre dont il semblait tout ignorer. Alors, après que je lui ai fait un résumé très succinct, il affirma, en guise de compliment, que c'était très dans l'air du temps et qu'il y en avait beaucoup des histoires comme ça, des histoires d'avions, citant Stephen King. Cet épisode m'a finalement persuadé d'éviter la fameuse phrase « On ne présente plus Hervé Le Tellier », qu'il était utile et nécessaire de présenter Hervé Le Tellier et l'anomalie, car pour ma part, je n'avais jamais lu une histoire pareille. Hervé Le Tellier, donc, est l'auteur d'une petite trentaine d'ouvrages à titre individuel, sans compter de nombreux ouvrages collectifs avec l'Oulipo, dont il est aujourd'hui le président. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques-uns de ses titres. Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. J'en compte jusqu'à 100. Guerre et plaie. La chapelle Sextine. Les opossums célèbres. Electrico W. Compte liquide. Moi et François Mitterrand, toutes les familles heureuses, et dernièrement, Les gens qui comptent et l'anomalie. Quelques-uns de ces titres ont été adaptés et joués au théâtre. Alors, ma première question s'adresse à Hervé Le Tellier. Comment pitcher le livre pour ne pas s'entendre dire qu'il y en a beaucoup des histoires comme ça et que c'est dans l'air du temps? Et deuxième question, d'où vient ce titre? Alors, c'est un titre qui est d'abord... c'est un livre qui est né d'une nouvelle. Je voulais au départ raconter une histoire d'un homme confronté à son double et j'ai trouvé que la situation était un petit peu plus riche qu'une nouvelle n'aurait pas mis de le faire. Donc j'ai finalement listé des situations, inventé une dizaine de personnages que j'ai finalement réduit à 8, qui seront ceux qui vont se dédoubler et qui chacun correspondent à un type de situation dans lesquelles on peut se trouver lorsqu'on est confronté à son double. Ces situations vont... du sacrifice, en passant par la collaboration, en passant par la confrontation, la haine, la dispute, jusqu'au sacrifice individuel face à son double. Et pour chacune de ces situations, j'ai décidé de créer un personnage qui collait, qui allait le mieux possible endosser le rôle qu'il essayait pour le drame qu'il allait vivre. Ensuite, j'ai réfléchi à une deuxième question qui était comment rendre cette situation possible matériellement, c'est-à-dire comment faire pour ne pas écrire une sorte de conte moral, pour être ailleurs, pour être dans un univers qui soit plus concret, plus réaliste et qui ne nous entraîne pas à des années-lumière de ce que je voulais raconter, qui était une histoire contemporaine. Et je suis donc allé chercher une solution qui était une solution d'ordre scientifique et qui est ce qu'on peut appeler l'hypothèse Bostrom, que je ne vais pas trop développer, mais qui avance l'idée que nous pourrions bien vivre dans un monde beaucoup plus virtuel que ce que nous croyons. Enfin, et ça sera la manière de faire une jolie transition vers la suite, je voulais que chacun de ces personnages soit associé à un genre littéraire de manière à ce que, d'une certaine manière, le lecteur confronté à beaucoup de personnages puisse s'y retrouver facilement. Ce qui signifiait donc que, par exemple, mon tueur à gages, qui en fait correspondait pour moi à une situation qui était l'affrontement jusqu'au meurtre, que ce tueur à gages puisse évoluer dans un univers qui lui correspondait littérairement parlant, et donc le noir s'imposait.
Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de commencer un roman qui était un roman complexe dans la collection Blanche de Gallimard, où ce n'était pas forcément censé paraître au départ, par un roman noir qui accrochait beaucoup plus le lecteur. Quant au titre L'Anomalie, l'anomalie correspondait à tout ça. C'est-à-dire que l'anomalie, c'était à la fois l'anomalie en termes de situation individuelle, confrontée à soi-même, c'est plutôt anormal. C'est aussi ce qu'on appelle en mathématiques une rupture, la rupture dans une continuité, c'est-à-dire que la courbe subit un saut qu'elle n'est pas censée opérer entre deux points. Et puis enfin, c'était une anomalie en termes littéraires classiques, proposer à un lecteur un roman dans lequel tous les romans et tous les types de romans et toutes les formes étaient présentes, puisqu'il y a même des chansons, il y a des mails, il y a des échanges de type interrogatoire. Donc il y a dans le roman lui-même une forme de... une tentative, non pas d'exhaustivité, parce que c'est toujours impossible, mais en tout cas de monstration de tout ce qu'on peut mettre dans un roman sans pour autant s'y perdre trop. Donc l'anomalie correspondait à tout ça à la fois. Et le premier mot, enfin les premières phrases, l'incipit, même la première phrase du livre me semblait résumer pas mal de choses à la fois. Et ça, c'était donc ce qu'on a entendu au départ. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Voilà. Alors revenons sur cette première phrase et peut-être sur les solutions que chacun a dû trouver dans sa langue. Hervé, est-ce que tu veux d'abord commenter cette phrase ou plutôt a posteriori? Oui, je vais le faire tout de suite, comme ça permettra de montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les traducteurs. La première chose, c'est que c'est une phrase de roman noir, parce qu'il y a tous les codes du roman noir dans une simple phrase de quelques mots, qui est l'absence du « ne », la rupture syntaxique qui fait qu'on commence par un infinitif, tuer quelqu'un, virgule, ça compte pour rien, le « ça », l'absence du « ne », donc la forme qui est celle du roman à la manchette, quelque chose qui va assez vite. Ensuite, la structure qui est celle d'un rythme de 2 fois 4 syllabes, qui n'est pas facile à reproduire et sans doute impossible dans pas mal de langues. Et puis enfin, les deux nasales qui finissent, qui donnent un côté un peu tuer quelqu'un, ça compte pour rien, qui est quand même quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, et qui initiait assez bien le livre. Voilà. En plus, cette idée de tuer quelqu'un, ça compte pour rien, résumait non seulement le projet en termes de roman, de type de roman, mais également l'idée même de la virtualité, puisque si effectivement nous sommes des êtres virtuels, mourir, c'est pas très important. Bonne chance. On va commencer dans l'ordre dans lequel on a entendu les extraits. Tania. Alors je relis la phrase. Matar uma pessoa não tem importância nenhuma. Donc c'est vrai qu'on commence la traduction avec une phrase qui nous donne beaucoup, beaucoup de problèmes. Hervé a déjà expliqué, donc il a le nombre de syllabes, il a pas mal de références là-dedans. Et c'est très dur à traduire ça en portugais. Donc ce que j'ai réussi à faire, c'est garder le rythme, que pour moi c'est le plus important en fait, surtout dans ce personnage, le texte de Blake, parce que je trouve qu'il y a un rythme qui rappelle presque des tirs d'un personnage qui tue, qui est toujours... qui court, qui est dynamique. Donc j'ai gardé ce rythme, matar uma pessoa, et je fais là la pause, non tem importância nenhuma. Donc on n'a pas la virgule, mais je trouve qu'on a le rythme. Et aussi les sons, matar, importância, et les S, pessoa, importância, aussi les T et les S. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Je voulais faire la rime, mais en portugais, si on commence un livre avec une rime interne, ça fait chanson populaire et pas roman noir, donc ça ne va pas du tout. Pierre. Oui, je vais la lire aussi. Vous allez pouvoir apprécier que j'ai fait quand même 2 fois 4 syllabes, moi. Donc, être eben non et inse. Donc, je coche je sais pas, une sur 3, une sur 4 des contraintes. Je n'ai pas pu rimer là et je n'ai pas pu évidemment reproduire l'absence de N puisque ça ne peut pas se faire. C'est assez colloquial avec la fin, Insei, c'est rien. Alors que c'est pareil, il y a l'effet un peu étrange en danois aussi de commencer avec un infinitif. Donc ça va quoi. Et ensuite j'ai pu trouver la rime dans la première phrase du paragraphe suivant. Donc ça compense un peu. Donc 1,5 sur 3. Pablo. Oui, moi c'est matar alguien no es nada del otro mundo.
Et j'ai pas conservé la rime parce qu'en espagnol, rimer comme ça dès le début, c'est un peu moche. Et surtout parce que alguien, qui serait la traduction de quelqu'un, c'est un mot orphelin. Donc ce qu'on appelle en espagnol una palabra fénix. Donc il n'y a pas de rime. Par contre, je viens de compter les syllabes de ma première phrase et c'est un alexandrin. Donc on a changé l'octosyllabe par l'alexandrin. Mais j'avoue que je ne le fais pas exprès. Mais on pourrait faire « matar a alguien no es nada del otro mundo ». Donc ça fait l'alexandrin classique. Mais non, je voulais juste garder le ton de roman noir, un peu ça ne compte pour rien, ça compte pour rien, donc « no es nada del otro mundo », non ? Avec un ton un peu relou, quoi. Ursula Burger. La phrase c'est Kvaka nije u samom ubijanju. Je ne sais pas si c'est un soulagement ou un défi qui va le rester jusqu'à la fin. Le fait que le livre n'est pas encore publié en croate. J'ai énormément réfléchi sur les premières pages de ce roman parce que je me suis dit avec les années de travail que avoir une voix bien trouvée, un style qui dans lequel on se sent bien comme traducteur est important. Et malgré ça, cette phrase comme début du roman est très exigeante. Kvaka, c'est catch, comme catch 22. Donc, je n'ai pas pu reproduire le rythme pour le moment. Commencer par un infinitif, c'est assez compliqué en croate. On verra. Adriana Hunter. En anglais, au début, je voulais commencer la phrase par le mot killing, parce que c'est très dur avec le K, et aussi parce que il y a deux paragraphes après qui commencent avec tuer, et je voulais faire la même chose, mais en fait, à ce moment-là, je perdais le rythme et le rime de la phrase. Et c'est pour ça que j'ai changé l'ordre et j'ai maintenant « it's not the killing, that's not the thing ». Alors, on a le rime et on a presque le rythme, mais il n'y est pas le rythme, mais à cause du « not » qui est répété dans les deux moitiés de la phrase, on a l'impression du rythme repris dans les deux moitiés. Janina Kos. « Ubiti človeka, to res ni nič takega. » Bon, c'est... Ce n'est pas encore la version finale, je pense. Mais en fait, j'ai eu une expérience un peu contraire aux autres parce que quand j'ai lu la première phrase, je me suis dit, bah, tiens, ça ne sera pas si difficile que ça. C'est parce qu'en slovène, il existe une expression qui est la traduction littérale de « ça compte pour rien ». Donc je me suis dit, bah, j'ai de la chance. Mais après, bien... Très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une petite nuance qui ne va pas du tout. Et le sens n'est pas du tout le même. Donc, je l'ai changé plusieurs fois. Je pense que déjà 10 fois depuis que je suis venue à Arles. Mais bon, je pense que maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais je vais continuer. Une semaine, une phrase. C'est un bon rythme. Anna Delia. Alors moi, j'ai essayé de garder la rime. J'aime bien commencer par l'infinitif et j'aime bien garder les rimes si c'est possible, si ça ne gêne pas en italien. Là, je pense que d'abord, commencer par un infinitif est dans les cordes de l'italien, donc ce n'est pas quelque chose de... Hein. Je voulais un verbe agressif, hein, comme je ne pouvais pas avoir des nasales, mais ammazzare avec des doubles Z en italien, de Z est agressif depuis l'époque de Dante. Et donc, j'ai choisi ammazzare, pas uccidere, qui est un verbe beaucoup plus propre, disons. La rime, bon, c'était spontané, gente, niente, surtout parce qu'après, j'ai mente, vide, creuser le vide, moi j'ai traduit vide l'esprit, et mente, c'est encore une rime, donc je voulais garder le rythme, tac, tac, saccadé,
que j'ai essayé de garder dans tous les chapitres de Blake, qui part comme une mitraillette. Adrienne bon, Goulias. Oui, donc ma traduction, je trouve que c'est un échec plutôt bien réussi. Parce que je n'ai gardé ni la rime, ni le nombre des syllabes. Donc il y a 9 syllabes. Mais après, bon, les premières phrases, c'est toujours très difficile. Les premières phrases manquent d'innocence. Déjà à cause de ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire que ça donne le ton et puis ça résume aussi un petit peu de ce qui suit. Et donc, je pense que cette phrase-là donne bien le ton et du point de vue de l'idée et du point de vue du style de Blake, parce que c'est direct, ça va droit au but. Et puis, c'est difficile de... Déjà, on n'aime pas trop faire rimer la prose. Et puis, c'est difficile de couper la phrase au milieu parce que tout est marqué, tous les noms sont marqués en hongrois. Donc l'ordre des mots est relativement libre. On ne peut pas faire comme a fait, par exemple, Adriana avec l'anglais ou comme a fait Anna avec l'italien. Donc, voilà. Merci. Je précise que pour la petite blague sur l'échec qui a réussi, pour les lecteurs qui ont bien senti qu'il y avait là une blague interne, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, plutôt que Victor Miesel, l'écrivain traducteur dont il sera question plus tard au chapitre suivant, est l'auteur d'un titre qui s'appelle « Des échecs qui ont raté ». Voilà. Jürgen, et qui parle au nom de Jürgen Eromirit. Oui, mais et les échecs qui ont raté aussi. En quelque sorte, vous savez qu'en allemand, on aime bien des mots longs. Alors, 8 syllabes pour une phrase d'Hervé, c'est déjà un peu plus difficile. Quelqu'un en objet direct, ça fait déjà 3 syllabes, etc. Donc, inutile de chercher plus loin. Mais on a coché d'autres cases, et même des cases que Hervé n'a pas ouvertes. Donc, on garde la césure. « Jemanden umbringen ». Das heißt noch gar nichts. Donc ça monte, ça descend. Et puis on a 4 accents. Donc 2 accents divisés sur répartis sur les 2 hémistiches. Donc ça aussi on a réussi à le faire. Et puis c'est donc un vers, donc une phrase en 11 syllabes. 11 syllabes, c'est le vers classique du théâtre allemand du 18e siècle. Donc ça fait pas très polar contemporain. C'est vrai pour le rythme, mais on a introduit la faute. Puisque jemand umbringen, en principe, l'infinitif, c'est jemand umzubringen. Donc, en enlevant ce syllable zu, on fait une faute courante en allemand, comme le ne qui est enlevé en français. Donc, voilà. Donc, ça correspond un tout petit peu pour les rimes. Donc, je rejoins ce qu'a dit Tania. En allemand, ça fait assez rapidement vers enfantin, etc. Donc, vaut mieux l'éviter. Mais on n'en a pas trouvé d'ailleurs non plus. Donc c'est une belle excuse de dire que ça n'a pas de sens. Merci beaucoup à vous tous pour ces ébauches de solutions ou ces solutions trouvées. Et je vais tout de suite faire un grand saut spatio-temporel vers la fin du livre qui, elle aussi, alors pour ceux qui l'ont lu, pose de toute évidence un problème de traduction majeur. Le livre se termine avec une sorte de calligramme de sablier, appelons-le comme ça, et dont maintenant Hervé Letellier va nous expliquer comment il est né et qu'est-ce qu'il représente. Oui, alors, le livre était un peu compliqué à finir, c'est-à-dire qu'il posait un problème de chute. Je voulais un effet de miroir entre ce que racontait le livre et forcément la manière dont il allait s'achever, et ça me paraissait une solution possible. Dans le sens où j'avais aussi l'idée que la virtualité proposée comme option de notre univers correspondait aussi finalement à ce que nous vivons en lisant des romans, c'est-à-dire que les personnages avec lesquels on s'habitue à vivre à la fin nous quittent et le monde dans lequel on a été précipité au cours de la lecture est un monde qui est aussi virtuel que celui peut-être dans lequel nous vivons. Et donc il fallait que cette virtualité des deux mondes coïncide à un moment donné, et la façon dont je voyais cette chose, c'était de proposer un effacement à la fois du monde
explicité dans le livre, et du monde du livre en tant qu'objet physique. Et j'ai eu envie donc de créer cet entonnoir, qui est un entonnoir dans lequel donc les mots finalement finissent par se déliter, les espaces entre les mots s'écartent, les lettres disparaissent. Et pour choix de lettres, c'est ça ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un choix de lettres qui soit raisonné. Il y a un sous-texte, c'est-à-dire qu'en fait, les textes, le texte existe, les lettres qu'on voit sont uniquement celles qu'on voit en noir, mais il y a un autre texte caché derrière, qui n'est pas explicité. Et les quelques lettres qu'on voit à la fin laissent apparaître quatre mots successifs, qui sont les mots « être », qui est à la fois « être », »,« être humain », et puis simplement « exister », »,« être ». Ensuite, le mot « ulcération », qui est un mot un peu compliqué, mais qui possède un intérêt pour un oulipien, qui est que c'est le premier volume de la bibliothèque oulipienne écrit par Georges Perec. Et surtout, c'est un poème qui ne contient que les 11 premières lettres principales utilisées dans la langue française. Donc, c'est une sorte de résumé de la langue sur un corpus extrêmement réduit. Et enfin, on termine par les mots sable et fin. Donc, par le mot fin, évidemment, mais je voulais donc à ce moment-là donner l'usage d'un sablier. Et ce sablier représentait évidemment la granularité du temps et représentait une image aussi de la finitude. On voit que dans le sablier, le temps peut passer d'un côté du bulbe à l'autre. Et là, on voit que le mot fin est coupé en deux. Il y a un F et ensuite il y a in, qui représente un redémarrage. Alors, la difficulté pour un traducteur, elles sont nombreuses, sont même infinies, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour qui que ce soit, on va le voir, de représenter ça. Mais il y avait une chose à laquelle je tenais, et qui était évidemment visible pour tout le monde, c'était la question de sable fin, c'est-à-dire la question du sable, la question du sablier, et la question d'avoir une possibilité d'avoir le mot fin à la fin, puisque l'exergue de cette partie est la suivante. Aucun auteur n'écrit le livre du lecteur, aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur. Le point final, à la limite, peut leur être commun. Or, il n'y a pas de point final. Donc, il y a un jeu aussi sur cette dilution entre les deux, qui, évidemment, pour chaque traducteur, devait poser des problèmes complètement différents et qui, vous allez le voir, a été traité à chaque fois d'une manière unique. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite à un autre membre de l'Oulipo, Pablo Martín Sánchez, qui, lui, a essayé de trouver une solution en espagnol. Oui, sauf qu'en espagnol, ça ne marche pas si bien que ça, parce qu'il faut choisir d'abord le genre fino, fina, donc ça ne coïncide pas avec fin. Donc ce que j'ai fait, c'est arena al fin, pour garder ce que je trouvais que c'était indispensable de garder, que c'est le in. Et il y a un espace avant de IN, je ne sais pas si on le voit dans le texte. Oui, on le voit là, parce que c'est juste là le milieu entre les deux parties du sablier. Donc ça, c'était très important pour moi, garder la forme et aussi déchiffrer ce que M. Letellier a dans le texte. Alors, ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver ce sous-texte. Je l'ai reconstruit en français et je l'ai traduit en espagnol. Donc, les lettres dans la version espagnole qu'on voit et qu'on ne comprend pas avant être en ulcération, là, j'ai inventé un texte. Donc, ce n'est pas les mêmes lettres. Donc, c'est la traduction d'un texte inventé ou insinué. Et puis après, j'ai gardé ulceraciones parce que la référence à Perec quand même me semblait importante, au moins pour un traducteur oulipien, quoi. Même s'il y a peu de personnes qui vont reconnaître cette référence à Perec, je croyais que c'était mieux laisser ulceraciones que trouver un autre mot de 11 lettres, les 11 premières lettres de la langue espagnole, et essayer un autre terme. Ça n'aurait pas fonctionné. Je pensais moi aussi que la démarche était celle-là, d'essayer de reconstituer le texte disparu pour le traduire et ensuite faire disparaître des lettres. Quand j'en ai parlé à Hervé, il s'est montré totalement incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne veut pas révéler le texte qui a été... Exactement. Alors non, il y a aussi une raison qui est qu'à mon avis, ça exprime ce qu'on appelle à l'Oulipo la potentialité. C'est-à-dire que ça ouvre au lecteur la possibilité d'être actif sur le texte et donc de créer lui-même son propre texte. C'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte possible, il y en a une infinité. Et cette infinité m'intéressait parce que ce que ça propose, donc, c'est un rôle actif, un rôle participatif, un rôle de complicité, où on laisse à chacun la possibilité de construire son propre sous-texte
un texte. Donc c'est pour ça que le choix de Pablo me plaît. C'est-à-dire c'est aussi ça l'idée. C'est une idée possible, ce n'est pas l'unique idée, justement. Est-ce que quelqu'un voudrait témoigner d'une autre approche ? Oui, Tania ? Moi, par exemple, je ne sais pas si on peut voir l'image d'avant du sablier du livre, où on voit bien le mot « voilà, merci ». On voit bien le mot « ulcération ». Ça, c'était mon premier problème, parce que les 11 lettres qui sont les plus utilisées en français ne le sont pas en portugais. Et je voulais garder cette idée. Finalement, je n'ai pas réussi. Et comme j'étais obligée de changer ulcération, qu'aussi en portugais, il n'y a pas 11 lettres, il y a 9 lettres, donc on a 2 lettres de moins. Je voulais rendre hommage à Pérec, donc j'ai choisi « desaparecer », qui nous remet à disparition, disparaître. Et en plus, il y a le nom Pérec dans « desaparecer », plus beaucoup de « e », qui aussi nous rapporte à Georges Pérec. Après, j'avais le problème que « fin » en portugais termine avec un « m ». Donc, j'ai introduit « infime », « sable infime », et comme ça, je peux rendre le « infime » transformé en « fin ». Mais c'est dur. Et après, je me suis beaucoup amusée à réécrire le texte et à le cacher. Moi, j'avais un problème un peu différent parce que le nom « ulcération », j'étais persuadée que les lecteurs, c'était pour le marché américain et que les lecteurs américains ne s'y reconnaîtraient pas. C'était un nom un titre qui ne voulait rien dire pour eux. Et j'ai repris, au lieu de « ulcération », « White Noise » de Don DeLillo. Et aussi parce que « White Noise », c'est le son qui est toujours là derrière. Et ça me semblait peut-être, avec cette termination, que la dernière chose serait peut-être le « White Noise » qui demeure à la fin. Et aussi, il y avait le problème qu'en anglais, on ne dit pas « sable fin », on dit « fine sand », et il n'y a pas le mot « end » dans le mot « sand ». Alors, j'étais obligée de perdre le sable et j'avais le mot « distend », s'allonger. Alors, j'avais le « white noise » qui s'allongeait. Encore un témoignage sur ce sablier final ? Moi, je voulais garder « essere ». Ulcerazioni, sabbia fine, pour moi c'était facile parce que sabbia fine, fine, ça se termine avec fin. Et puis j'avais gardé ulcerazioni, c'est-à-dire l'équivalent italien. J'ai traduit tout ce que c'était compréhensible en français et puis j'ai évidemment terminé par essere, mais j'ai laissé dans la ligne qui s'égrène deux petits signes qui sont français, donc un A accentué, un E-T, parce que je voulais donner la sensation d'un mur qui avait été peint et l'inscription française en dessous perce en filigrane, comme si tout le roman avait été repeint, un mur repeint en italien, et en grattant, on voit à la fin le français perce. La langue sous la langue. Oui. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que en code informatique, IN signifie reboot. Alors c'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas c'était comme je voulais finir par fin, j'ai eu envie de couper le mot fin simplement en deux pour qu'il apparaisse un mot anglais qui est un vocabulaire. Le mot in est un vocabulaire de redémarrage. Ça veut dire qu'on est passé dans l'autre partie du bulbe. C'est dans la deuxième partie du bulbe. Le reboot, hélas, malheureusement, c'est reboot, hein, en langage informatique. Donc, mais cette idée du passage dans le deuxième bulbe me paraissait intéressante. Bien. Est-ce que je vous passe encore la parole sur ce sujet ou est-ce que nous passons à des questions suivantes ? Je crois qu'il y a un sujet qui a été évoqué assez fréquemment au cours de la semaine. Enfin, disons qu'il a été abordé, c'est la question
d'une inquiétude que pouvaient soulever certaines expressions auprès d'éditeurs qui pouvaient attendre sur les réseaux sociaux des réactions plus ou moins choquées. Et je crois qu'on avait envie d'aborder ce sujet-là ici. Il est question d'un passage dans lequel deux personnages ont une conversation dans laquelle apparaissent également, en style indirect libre, leurs pensées. Et je vais laisser Hervé lire ce passage. Alors, il s'agit d'un moment où un directeur d'une énorme firme pharmaceutique, blanc, soixantenaire, a embauché pour affronter dans un procès une série de plaignants qui, toutes, pour la majorité, sont des femmes et des femmes de couleur, d'origine soit latino, soit afro-américaine. Il a embauché pour la défense de son entreprise une femme noire, qui est une avocate américaine extrêmement brillante, issue d'une université de très haut niveau, et dont il pense que par sa couleur de peau et par le fait qu'elle est une femme et qu'elle est jeune, elle a beaucoup plus de chances de remporter le procès que n'importe qui. Et donc, on est dans cette scène où les deux discutent, et je vais lire le texte. « Depuis cette joute, Johanna Wasserman, c'est elle, et Sean Pryor, c'est l'autre, feignent d'être les meilleurs amis de la Terre, de se parler d'égal à égal. Pryor y met un point d'honneur. C'est son moment de mixité sociale et raciale, toute relative, où l'héritier multimillionnaire s'enorgueillit, jouit même de savoir discuter sans montrer le moindre dédain avec une petite négresse surdouée de Houston, une boursière méritante de l'affirmative action, fille d'un électricien et d'une couturière. Il a fait prendre tous les renseignements. En bourgeois qui se déclare l'ami de son jardinier, Pryor s'est persuadé de cette fiction d'amitié, mais Johanna n'est dupe de rien. Elle discerne dans le rictus de Pryor cet indicible du Sud qu'il porte sur lui, ses signes et ses nuances symboliques qui imprègnent toute la relation raciale. Elle reconnaît cette posture spontanée qui autorise une riche dame blanche, aux cheveux bien mis, à offrir à son chauffeur noir le plus radieux des sourires, un sourire d'affection écrasant où se déchiffre son impérieuse certitude de l'infériorité naturelle de ce petit-fils d'esclave. Ce sourire empoisonné qui n'a jamais bougé d'un pouce depuis autant en emporte le vent et que toute son enfance, Johanna a vu se dessiner sur les visages poudrés des clientes blanches de sa mère couturière. Donc ce qui, moi, m'intéresse là, c'est qu'on a un premier paragraphe dans lequel on a effectivement un discours indirect libre, c'est-à-dire la pensée d'un personnage qui rentre dans le paragraphe et qui est le moment où le narrateur s'efface pour laisser la place à la psyché d'un personnage qui est un homme raciste et inconsciemment raciste et consciemment raciste. Et dans le deuxième paragraphe, on rentre dans la psyché de Johanna, qui est une femme noire qui, effectivement, a quitté le milieu dans lequel elle est née par sa volonté, par son travail, et qui voit néanmoins dans le visage et dans le comportement de Pryor la haine et en même temps la volonté d'une certaine manière de la gagner à sa cause, à lui. Et donc elle n'est dupe de rien. Ce qui moi m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, un éditeur que nous n'avons pas mentionné a été choqué par le terme de négresse. Alors il faut toujours savoir que c'est évidemment un terme raciste, mais que lorsque un écrivain l'utilise dans un livre, c'est dans un but intentionnel qui est de choquer, effectivement. C'est de créer chez le lecteur la même indignation qui est celle qu'on doit ressentir à l'usage d'un mot raciste. Et donc, l'idée qu'on doit supprimer des mots qui sont des mots issus du racisme, issus de la haine et issus du dédain et du mépris dans un livre qui est un livre donc littéraire, parce que ça peut choquer et que ça peut blesser, c'est une idée qui est une idée qu'il faut absolument bannir, parce que c'est effectivement parce qu'on veut choquer qu'on met le mot, et c'est pour créer une relation qui est une relation positive, qui est une relation d'empathie, d'adhésion. On ne peut pas donc avoir à un quelconque instant le doute à la fois sur l'intention de l'auteur et le doute sur ce que pense effectivement le personnage raciste. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que c'est quelque chose qui nous menace tous, ce danger que des malcomprenants s'introduisent dans un débat qui n'a pas lieu d'être sur la manière dont les livres sont écrits et dans lequel, à certains moments, il faut laisser la parole à des membres de Ku Klux Klan, à des racistes, à des machistes,
parce que sinon, le rôle que doit jouer la littérature, qui est justement un rôle d'éveil des consciences parfois, hein, un rôle même parfois d'une certaine manière, je ne dirais pas militant, parce que je ne suis pas très auteur militant, mais en tout cas qui doit élever la conscience, si on supprime cette possibilité de l'indignation du lecteur, on supprime la possibilité simplement de l'écriture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère l'avoir dit proprement. Mais ça pose aussi une question derrière, qui est celle des traducteurs. Comment est-ce que les traducteurs gèrent cette question ? On a eu ce débat avec Jürgen il y a trois ans, avec la traduction d'un livre dans lequel j'utilisais le mot « sale nègre » pour parler d'une insulte qui avait été envoyée à mon oncle. Comment traiter ça ? En supprimant « sale nègre ». Je veux dire, personne ne va dire « sale personne de couleur ». Donc, quand mon oncle s'était fait insulter, il avait tapé la personne qu'il avait insultée, mais je ne pouvais pas supprimer cette insulte. Donc cette question est importante, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le mettre. On ne peut pas mettre même pas... avec Adriana aussi, qui a traduit ce texte, on a eu ce même débat. C'est un vrai problème aujourd'hui d'avoir une culture qui est légitime et qui est la culture de la sanction pour certains auteurs qui étaient objectivement racistes, mais ça doit pouvoir permettre à des livres d'exister en utilisant des termes qui peuvent parfois blesser. Le fait de blesser n'est pas grave. Il faut pouvoir vivre dans une culture où on est blessé. Bon, ça, évidemment, il y a un silence qui s'installe après une phrase pareille, c'est normal. Il y avait un débat connexe aussi qui a été soulevé, n'est-ce pas, Tania, par rapport à... tu traduis également de l'anglais et tu as eu affaire à des questions d'appropriation culturelle. Oui, en fait, dans le monde de la traduction, on parle beaucoup en ce moment de pas mal de questions. Donc, on a eu la polémique de la traduction d'Amanda Gorman, la poète qui a lu son beau poème pour l'inauguration de Biden, Joe Biden. Et qu'après, je crois que tout le monde est au courant de la polémique. Elle a choisi une traductrice blanche. Voilà. Donc ça nous a mis à tous en train de. Ça nous a fait tous parler de notre rôle de traducteur, mais aussi du rôle de la littérature. J'ai traduit un livre de l'anglais qui s'appelle American Dirt, un portugais terre américaine, écrit par Janine Cummins. Elle a écrit un très beau livre sur la situation de tous ces gens, ces migrants qui essayent de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis sur les trains, qui sont des trains qui ne prennent pas des passagers. Donc rien que pour prendre le train, c'est très dangereux. Donc c'est un sujet très sérieux, très important. Il faut en parler de tous ces migrants. Mais la communauté mexicaine a dit, voilà, ça c'est de l'appropriation parce que toi, t'es pas mexicaine. Donc, on parle beaucoup en ce moment, qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est exactement ce qu'Hervé a dit. Si on veut vraiment parler des problèmes de la société, il faut mettre les mots sur les problèmes. Et on peut pas... parler du racisme sans parler de ce langage qui est raciste. Et il faut qu'on ait le droit de l'écrire. Et moi, en tant que traductrice, je ne vais pas faire la censure. Si l'auteur a choisi le mot « petite négresse », moi, j'ai choisi « pertinha », que c'est un mot qu'en portugais dit exactement la même chose. On a la condescendance, on a le racisme, on a même ce machisme du monsieur qui a tout le pouvoir et qui traite cette personne qui en fait a beaucoup de talent et qui va faire un super travail pour sa boîte, mais il la traite avec pas beaucoup de respect. Et donc, il faut utiliser tous les mots. Et si le personnage pense « petite négresse », moi, je le fais en portugais. Et c'est important, ça. Il ne faut pas être... je comprends que l'idée, c'est très bien. Il faut vraiment qu'on change la société. Mais il faut d'abord savoir utiliser les mots, savoir ce qui est la littérature. Et on ne peut pas parler de littérature sans parler d'empathie. Donc c'est ça ce qu'on fait en tant que traducteur et auteur, on se met dans la peau de l'autre. Ça c'est important, il ne faut pas l'oublier. Un témoignage encore par rapport à cette question, ou alors, oui, Jürgen peut-être. Oui, non, bien évidemment, on peut que
acclamé, souligné ce que dit Hervé. Donc, mais le problème aujourd'hui, c'est effectivement, nous sommes dans des sociétés où il y a une sorte de réflexe pavlovien. Dès qu'ils trouvent donc quelque part un N-word, ça fait couler de l'encre et donc ça fait un tsunami, et pas seulement un shitstorm, mais un tsunami. Un shitstorm. Et ça, oui, ça inquiète beaucoup les éditeurs. Donc là, dans ce cas présent, je pense que nous avons tous traduit fidèlement ce texte et je pense que c'est important. Et il y a deux choses, donc, comme l'a dit Tania, il y a deux choses qui convergent. Donc il y a cette censure des mots par les malcomprenants, comme l'a dit tout à l'heure Hervé, et en même temps l'autre idée de la cette idée de que ne pouvoir écrire que si on est de la même communauté et de traduire que si on est de la même communauté de celui ou de celle qui a écrit. C'était le cas de Gorman que tu as évoqué. Alors là, c'est le contraire absolu de la traduction. La traduction, ça veut dire donner droit d'asile à l'autre, donc ouverture. Là, on va compartimenter la société, on va créer des ghettos et on ne se parle plus. Et je pense que là, il y a ce que font ces gens-là qui se sont investis des meilleures intentions du monde, c'est qu'ils sont en train de créer un enfer invraisemblable où nous serons tous enfermés dans des ghettos et on ne se parlera plus. Voilà, donc je pense que l'affaire Gorman tombée en pleine traduction de traduction, pour moi, c'était une raison de plus de maintenir ce cap-là. Je pense que il faut le dire haut et fort parce que ce qui s'est passé dans les différents pays, c'est absolument scandaleux. En Allemagne, on a eu une traductrice, on lui a mis à côté deux surveillantes pour surveiller sa bonne morale en traduisant. Donc en Hollande, on a désaisi une traductrice blanche pour que ça soit... Elle s'est auto-désaisie, en fait. Pardon ? Elle s'est auto-désaisie. Mais bon, sous cette pression-là. Et dans d'autres pays, il y a encore d'autres choses qui sont passées. Donc voilà, bon, enfin, bon, c'est... Bien, pour passer à... C'est dit. On va passer à un chapitre plus léger de notre rencontre, qui est... Enfin, plus léger, c'est... C'est vite dit, parce qu'il s'agit de traduire tout ce qui est intraduisible dans les jeux de mots, dans les jeux avec le langage. Et pour commencer, nous allons parler de la question d'un anagramme qui, évidemment, est un os majeur à ronger pour chacun des traducteurs ici. Peut-être faut-il commencer par lire l'extrait dont il est question, Hervé. Alors, ça se passe à un moment d'une conférence de presse où le personnage de Victor donc, répond à des questions de la salle et l'un des journalistes lui demande qu'est-ce qui a pu conduire l'autre Victor à se donner la mort. Je divulgage un petit peu le livre, mais bon. L'écrivain a l'air amusé. Personne ne se donne la mort, on ne vous a pas appris ça, il n'y a que des suppliciés qui s'échappent en tuant leur bourreau. Mais ça ne peut pas être à cause de Ilyena Lieskov, insiste Joséphine Mikalev. L'anomalie a pour anagramme un mot Ilena L. J'aime Ilena L. Misol éclate de rire. Non, c'est vrai qu'il a trouvé un truc pareil. Ilena l'a sous-entendu dans une interview. Voilà, donc on a un personnage qui est la veuve officielle de Misol. Mais Misol ressurgit et donc il est un petit peu étonné de voir qu'il a une veuve officielle. Et il découvre avec surprise qu'elle a sous-entendu que le nom l'anomalie. Amo Ilena L, qui est le titre du livre que lui-même écrit, parce qu'il faut dire qu'il écrit un livre qui porte le nom de l'anomalie, qui est le livre intérieur dans l'anomalie, et que ce livre-là, donc, est l'anagramme de Amo Ilena L. Donc les traducteurs, évidemment, sont confrontés à un problème, à beaucoup de problèmes, et il y a plusieurs options. Voilà. On a listé les options, et elles sont toutes différentes. Et bon, on les a même presque catégorisées, taxonomisées en quatre... catégories, dont une n'a aucun représentant ici, alors je vais commencer par la citer, qui est de laisser le titre intérieur en français. Ça aurait été une option qui n'a pas été adoptée par les traducteurs ici présents. Et puis, il y a eu d'autres options, et là, je vais tout de suite passer la parole à Ursula. Bon, la traduction n'est pas encore terminée, mais après les discussions qu'on a eues avec mes collègues, je me suis dit que finalement,
si je veux prendre en compte le fait que c'est quand même un Oulipien qui a écrit ce livre et que peut-être il n'y aura pas toujours des occasions pour honorer ce fait-là, que je vais peut-être même aller jusqu'à changer le nom de Ilena en Anya, puisque en croate, un mot Ilena, elle, ne va pas pouvoir former Anomalia, qui sera le titre en croate. Et donc, ce que j'ai trouvé, pour respecter aussi qu'il y ait un L, en fait, lieu pour le nom de famille, si je mets Amo Anya lieu, donc en croate, on peut lire Lieskov à la place de Leskov. Et là, on se retrouve avec un nouveau personnage, avec un nouveau prénom. Mais on a joué le jeu de l'anagramme. Parfait. Donc ça. C'est un nom russe aussi. C'est un nom russe, tout à fait. Alors, donc ça, c'était la solution également qu'a adopté Pablo, je crois, en adaptant l'anagramme, donc trouver un nouveau prénom. Oui, c'est ça. Je trouvais impératif de garder l'anagramme parce que la phrase est dans le texte. L'anomalie a pour anagramme Amo Ilenael. Donc, en espagnol, c'est la anomalia. Et donc, comme Ursula, j'ai dû changer le nom du personnage principal, bon, pas principal, pardon, secondaire, qui est Aliana. Mais là, il faut faire gaffe toujours parce que peut-être que l'écrivain avait choisi Ilena parce que c'était une ancienne amie à lui et qui voulait lui faire un clin d'œil. Et là, ça ne marchait pas. Voilà, alors il y a d'autres solutions qui ont été adoptées, notamment faire presque l'anagramme. Et là, je me tourne vers Anna. D'abord, en italien, on a une histoire telle que changer les noms étrangers et les italianiser, ça remonte au fascisme. Donc, c'est quelque chose que vraiment on ne fait plus. On a une forme de censure. Et en plus, un moilanal, c'est imprononçable, c'est moche. Donc, vous connaissez un pays quand même esthétisant et esthétique. J'ai laissé Hélène, hein, d'autant plus que je suis d'accord avec Pablo. Je ne savais pas s'il y avait des raisons personnelles hyper cachées au quatrième niveau, pourquoi il fallait que ce soit Ilena. Et en disant più o meno, Ilena en question est encore plus idiote dans le livre, parce qu'en fait, elle est prétentieuse, elle n'arrive même pas à avoir un anagramme, mais elle se considère la protagoniste de la vie de ce pauvre homme. Donc, en fait... Tu as rajouté dans le dialogue più o meno. Più o meno, si. Qui en fait une idiote totale. Più o meno. Alors, à propos d'ajout nécessaire, je me tourne vers Adriana pour nous dire... Quelle est la solution que tu as adoptée? Oui, enfin, j'avais trouvé autre chose, parce qu'en anglais, the anomaly, il y a un T, un H, un Y, et pour faire l'anagramme, elle aurait eu un nom de chimie, ethyl, c'est un nom d'alcool, c'est un truc chimique, c'est pas joli du tout. Et finalement, je me suis dit, mais quand même, quand le personnage Victor... Il a écrit ce livre et quand Ilena, elle l'a lu, c'était en français et c'était le titre français qu'elle a lu et que lui, il a écrit. Alors moi, j'ai mis, je ne sais pas si vous comprenez tous l'anglais, mais I know the anomaly is being translated into lots of languages, but your original French title, L'Anomalie, is an anagram of Amo Ilena, elle. I love Ilena, elle. Alors elle se... c'est une façon de résoudre le problème, un peu ce qu'on appelle en anglais a cop-out. Voilà, il y a bien d'autres jeux de mots et de langues dans l'ouvrage, à commencer par le premier personnage qu'on a évoqué, celui du tueur à gages, qui s'appelle Blake. Et là, ce nom, qui est un nom inventé, il est inventé parce que ça sonne bien, ça claque, comme lake et lac. C'est un mélange de lac et de lake. Là, plusieurs solutions ont été adoptées. Alors, je passe la parole à Pierre. Oui. En fait, moi, je n'ai pas eu trop de mal là. Heureusement, parce qu'ailleurs, oui. Mais bon, j'ai tout simplement mis Blake
j'ai mis black et lake comme en français. Oui, lis le. La phrase dans le livre, c'est lorsque le personnage, dont on ne connaît pas le nom, invente le nom de Blake, il écrit et puis Blake, black et lake, noir et lac, ça claque. Ouais. Donc moi j'ai laissé tomber la traduction des mots anglais parce que tout le monde le comprendra. Et j'ai trouvé un mot qui par assonance fait claque et qui veut dire c'est cool, c'est super. Donc je fais Blake, Lake, Legat. C'est cool. Bien. Enfin, vous l'avez presque en... Ouais, Adrienne, peut-être. Moi, j'ai trouvé une rime interne que je n'aimais pas au début du livre, mais là, ça allait très bien. Parce que ce que je voulais, c'est vraiment cette rime de Blake et Lac. Et donc, j'ai mis Blake et mistura de Black et Lake, Preto et Lago, un nom du carago, un putain de nom. Mais ça rime et ça fait vraiment... c'est dans le personnage, c'est son style. Oui, Adrienne, alors, on boit alors. Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait comme Pierre, donc je n'ai pas traduit les mots anglais. Mais pour moi, cette phrase, ça évoquait un peu les balles. Ça fait pam, pam, pam. Et il est comme ça. Hervé explique qu'il utilise genre 6 balles par personne et que les balles sont bien. Se dirigent soit vers, je sais pas, la tête ou. Voilà. Et donc, c'est Blake, Black, Lake. Clap pour les skis. Donc il y a le cas. Oui, ça clapote, oui. Ouais, ça claque, quoi. Ça tient ensemble, ça va bien ensemble. Ça veut dire ça. Donc j'ai pas voulu surcompliquer, quoi. Parce qu'en traduisant les mots anglais, je pense que c'est pas la peine. Tout le monde doit connaître Lake et Black. Yanina. Et Yanina, oui, aussi, elle a trouvé quelque chose de. Oui. Mais d'abord, bien sûr, j'ai essayé de trouver quelque chose qui rime, mais ce serait très difficile parce qu'il y a des mots jezero, ce que veut dire lac, et puis tchoren, ce que veut dire noir, et j'ai rien trouvé. Mais j'ai pensé à une expression qu'on a en slovène qui veut dire ça c'est très bien trouvé, et on dit en fait si zadeto ku tchorno. Donc il dit Blake, Black and Lake, Tchoren in Jezero, Zadetok u Tchorno. Donc ça veut dire, littéralement traduit, ça veut dire un coup dans le noir. Et puis il y a aussi, en fait, on sous-entend peut-être dans ce coup, on sous-entend aussi le tir, parce qu'en fait c'est au milieu du cible. Donc, en plein dans le mille. Oui, voilà ce que je viens d'apprendre tout à l'heure. Oui. Donc ça. Peut-être le casse-tête suivant, Hervé, à propos de hangar. Oui. Alors, à propos de hangar. On est à un moment donné dans un hangar et l'écrivain qui m'isole trouve que le mot hangar est un mot qu'il fascine et donc il écrit simplement la phrase. Hangar est un mot si bizarre, pas loin de hagard, virgule, de hasard. Voilà. Ce qui en français est très simple. Jürgen, qu'est-ce que ça donne en allemand? En entendant Hervé, je pense que je vais remonter la phrase, mais bon, voilà. Donc ça donne en allemand hangar. Heureusement, on a ce mot-là. Donc, il fallait pas. C'est pas une grande difficulté de traduction. Donc, hangar, was für ein bizarres Wort, wie hangeln ähnelt Hasard, virgule, dem Glücksspiel. Donc, j'ai mis le jeu hasard. Donc, je peux garder hasard aussi. Mais nous avons rajouté, virgule, das Glücksspiel. Donc, c'est un jeu de hasard, justement. Donc, ça s'est perdu un tout petit peu. Donc, quand on lit des romans du 18e, 19e siècle, on a encore ça. En Allemagne, mais un lecteur allemand aujourd'hui, quand tu lui dis ça ressemble à hasard, ça ne dit pas grand-chose. Donc il fallait ressusciter la un mot. Précision
que c'est un jeu. Bon, peut-être tout cela, la vie est un jeu. Voilà, peut-être ça se justifie aussi par ça. Donc on a rajouté un tout petit peu une petite explication pour justifier le hasard, parce que le reste, ça va très très bien. Hangar, hasard, hangel, et même bizarre. Bizarre. Adriana? Ça ne marchait pas du tout en anglais, parce que le mot hangar en anglais n'a pas du tout les mêmes sonorités, mais ça fait penser à un a coat hanger, comment ça s'appelle, un cintre, un cintre. Et aussi, ça fait penser le mot pendre et le the hangman, c'est la personne qui fait le pendu. Le bourreau. Et le bourreau, oui, voilà. Et aussi, il y a un terme en anglais, quand on n'est pas sûr de ce qui se passe dans la vie, on dit « hanging in the balance ». C'est qu'on est pendu entre deux possibilités. Alors, c'est beaucoup plus long que cette très belle petite phrase de Hervé, mais il y a quand même cette idée de hasard dans le mot « hanging in the balance ». Alors, hanger, such a strange word, like coat hanger, and not far from hangman, and here they all are, hanging in the balance. Parfait. Alors, juste un petit mot, parce que, enfin, souvent, on en a parlé, si un jeu de mots là, quand on ne peut pas le faire, ben, on essaie d'en trouver un autre ailleurs, quoi. Donc, on compense. Et à la fin, c'est un partout, quoi. Voilà. Dans ce cas-là, ici, ils disent partout un truc fou. Mais ici, le problème qu'on a, nous, c'est qu'il faut le mettre là, parce que les assonances, enfin, les rimes sont motivées dans leur sens. C'est motivé. S'il dit agar, c'est leur état mental à ce moment-là. Et s'il dit hasard, ça a justement à faire avec cet improbable événement dont ils sont les protagonistes et les victimes. Donc on est vraiment obligé de trouver quelque chose. Et il y a un autre mot qui n'est pas dans cette phrase, mais qui est dans une autre phrase, qui est « un coup de dé jamais n'abolira le bazar », n'est-ce pas ? Oui, alors voilà, qu'est-ce qu'on fait avec Mallarmé ? Voilà, c'est juste quand j'ai écrit cette phrase, c'était sans penser une seconde au traducteur, hein, faut bien le dire. Et donc c'était un assez mauvais jeu de mots, voilà. Oui, ça m'arrive souvent. Et donc c'était un assez mauvais jeu de mots. Et puis ça passait un petit peu comme ça dans le texte. Et parce qu'à un moment donné dans le texte, un enfant qui est proposé, à qui on propose un choix, décide de le jouer au dé. Et donc l'une des protagonistes, c'est également la voix intérieure d'une pédopsychiatre. Et c'est dans cette voix intérieure qu'on entend un hasard n'abolira, un coup de dé jamais n'abolira le bazar. Donc c'est plutôt elle qui est responsable de ce jeu de mots que l'auteur. Hein. C'est sa voix intérieure. Mais après, ben, je ne sais pas comment on peut traduire ça dans différentes langues. Anna, peut-être ? Oui, bah, D'abord, la référence à Mallarmé n'est connue que des Français. Non, pas du tout. Les Italiens connaissent très bien ça. Non, c'est quelque chose que, par exemple, nous tous, on a étudié à l'école, donc à Mallarmé, etc. Ce qui fait, j'ai eu de la chance, parce que hasard, ça se dit caso en italien. Un tiro di dadi non abolirà mai il caso, et bazar, j'ai mis casino. Un tiro di dadi non abolirà mai il casino. Quindi, ça marche. Ça fait rire. Je peux dire quand même pour les non-italianophones ce que veut dire casino et les différents sens. Donc casino, ça c'est très intéressant parce que en principe ça voulait dire maison close, bordel. Les jeunes aujourd'hui ont perdu, ne savent pas que casino ça voulait dire maison close parce que ça est sorti de leur, heureusement, de leur horizon mental. Donc ils pensent que c'est un petit chaos. Un piccolo chaos. Je pense que c'est un petit chaos, donc un casino. Comme et on dit, c'est le bordel en français. Oui. Et en fait, si, bien sûr. Sauf que bordel ne fait pas penser à un petit chaos. Alors que casino, ça peut être considéré comme quelque chose d'anodin. Bordel, je pense qu'encore en français, les gens pensent au bordel. Je ne sais pas. Hein. Ça, c'est vous qui devez me le dire.
la mémoire, ça s'estompe avec les générations. Moi, je m'appelle Tellier, alors. C'est difficile pour moi. Dans notre répertoire de blagounettes intraduisibles, on a encore d'autres choses, non ? On a des choses comme Café l'Américain. Ah oui, alors celle-là, elle m'intéresse parce qu'en fait, elle soulève d'un seul coup une question qui est celle de la traduction par les machines. À un moment donné, l'intégralité des personnages qui sont coincés dans ce hangar sont également surveillés par des caméras et par des micros qui les écoutent. Et comme il y a beaucoup de langues, les micros sont directement reliés à des systèmes automatiques de traduction. Et donc, ça pose la question du système automatique de traduction. Alors, ça donne ceci, par exemple, deux personnes discutent. Et Lucie et lui sont assis à une table, ils parlent désœuvrés. Un dernier geste de Pudlowski et on entend leur dialogue et on les entend. Leur dialogue s'affiche en anglais sur l'écran, traduit en simultané. Café américain ? Demande André June en grimaçant. What did the American? Disent sottement les sous-titres. Café pour café, le système n'est pas encore très au point, se rassure André. Voilà, café américain. Pablo. Là, il fallait trouver de nouveau soit un mot homonyme, homophone, soit paronyme. Et là, j'ai trouvé café, donc café. Café en anglais, what fate. Et donc finalement, sur ma traduction, j'allais dire ma version, non, ma traduction du livre, c'est what fate American. Parce qu'il fallait garder cette ressemblance à café, café. Non ? Parfait. Adriana, peut-être aussi une... Oui, c'est d'autant plus compliqué quand on traduit vers l'anglais, non ? En fait, c'est un peu différent en anglais parce que le café, les mots café, je n'arrivais pas à trouver quelque chose que la machine puisse comprendre. Alors j'aurais pu garder la version d'Hervé, mais à ce moment-là, il faudrait expliquer au lecteur anglophone pourquoi la machine avait compris ça. Et ça, c'est vraiment, on ne fait pas ça. C'est pas rigolo à ce moment-là. Alors j'ai changé. Il dit tout simplement Americano. Il pose la question americano à elle, mais parce que les lecteurs sont anglais, ils vont lire americano. Et la machine a compris a americano, une voiture enjouée, n'est-ce pas ? Ça ne veut rien dire. Ah oui, joli, joli, très joli. Bon, alors, il y a aussi la fameuse phrase que nous allons célébrer, être sous au Médoc. Être sous Médoc, oui. À un moment donné, le personnage de Meisel a un dialogue et on lui reproche de dire un peu n'importe quoi. Et comme il est en train de boire du haut Médoc et qu'en même temps, il est un peu sédaté parce que quand même, il est un peu traumatisé par l'affaire, il répond « Je suis sous haut Médoc ». Bon. Et après, il s'excuse quand même d'avoir fait un aussi mauvais jeu de mots, hein, je tiens à le dire. Voilà, puis c'est le personnage une fois de plus. Et je n'ai pas non plus pensé aux traducteurs. Voilà, lesquels ont dû alors se débrouiller avec ce terroir. J'ai bien aimé la solution d'Adriana et j'aimerais la faire en portier. Peut-être si on réimprime. Tu avais fait la même chose, Pablo, je pense. Oui, medocamento. Oui, it must be this medication. Au lieu de medication, il tient sa verre, il dit son verre. It must be the medication. Et je crois que la solution de traduction dépend beaucoup du taux d'exportation des Bordeaux dans tel ou tel pays. Parce que, apparemment, le Médoc n'est pas du tout connu en Croatie, par exemple. Surtout pas le haut Médoc. Enfin, encore moins le haut Médoc. Le bas Médoc, pas non plus. Non, voilà. Donc, on peut glisser sur. Cette espèce de jeu de mots catastrophique que je viens de tenter pour aller vers la suite. Et la suite, c'est justement quelque chose qui, à la lecture, m'a énormément réjoui. L'histoire de la chantilly et de la crème anglaise aux assises d'Arles. Il faut savoir que Hervé
Le Tellier est quelqu'un de très généreux puisqu'il a fait pour son million de lecteurs une publicité absolument phénoménale aux Assises de la traduction en l'en faisant la capitale du mi-cuit au chocolat. Donc je vais te laisser lire le petit extrait dont il est question. Ceci se passe donc aux Assises lors de ces agapes qui sont régulières, quotidiennes, le soir. Parvenu à l'ultime étape des mi-cuits au chocolat, Victor se retourna et l'aborda. Il s'agit d'une jeune femme pour qui il a des sentiments naissants. Il lui demanda, en bafouillant, comment traduire « crème anglaise » en anglais, puisque « French cream » est la chantilly. Oui, désolé, il n'avait rien trouvé de mieux. Elle avait ri, poliment, avait répondu « Ascot cream » d'une voix rauque qu'il avait trouvée féerique, et elle était retournée à sa table rejoindre des amis. Il lui fallut du temps pour réaliser qu'Ascot, comme Chantilly, était un hippodrome, mais anglais. Voilà. Alors ensuite, Victor revient aux Assises régulièrement, et ce qui se passe, c'est que, afin de retrouver cette femme qu'il a croisée là-bas, il ne cesse de glisser des références à la crème anglaise dans toutes ses traductions. Et donc, par exemple, il essaie de traduire un recueil d'articles de Gourevitch, qui est une féministe russe. Et dans le texte d'ouverture qui s'appelle « Pourquoi on doit donner aux femmes tous les droits et la liberté ?», il introduit la phrase « La liberté n'est pas une crème anglaise sur un cake au chocolat, c'est un droit. » C'était discret, mais qui sait, après tout, elle s'intéressait bien à Goncharov. Mais non, si elle a lu le livre, elle n'a pas remarqué l'ajout, l'éditeur non plus, aucun lecteur d'ailleurs. Glisser la crème anglaise. Je pense que les traducteurs aiment faire ça, c'est-à-dire glisser des choses. On en connaît tous, voilà. Peut-être, et je ne sais pas. Alors, s'il y a certains qui avouent ces forfaits et d'autres moins. Est-ce que ici, il y a quelqu'un qui peut faire une confession publique ? Avant, parce que moi, je me suis permis de faire un jeu de mots en danois, parce que droit et plat, c'est le même mot, rat. Donc, je dis, c'est. La liberté n'est pas une crème anglaise, c'est un cake au chocolat, c'est un plat. Ou c'est un droit. Donc c'est ma petite vengeance. Oui, moi aussi j'ai gardé la rime. Cioccolato diritto accertato. Mais il faut avouer que nous avons tous eu cette idée, nous, à un moment donné, de. Allez, je vais glisser un petit mot dans une traduction, ça n'a rien à voir, mais je vais envoyer un message à un potentiel lecteur. Moi, je ne l'ai pas fait, mais si je l'avais fait, je ne l'avouerais pas non plus. Donc, c'est le rêve du traducteur. Je vais évoquer la mémoire d'un ami très cher, Bernard Höpfner, qui était président d'Atlas pendant plusieurs années, et qui, lui, l'avouait, mais alors sans aucune vergogne et avec une certaine fierté, qu'il adorait tant le mot « reto », qui est l'inverse du retard, c'est-à-dire arriver en avance, qui n'existe pas trop, mais qu'il aimait tant, parce qu'il n'existait pas trop, qu'il le mettait dans toutes ses traductions. En particulier, je l'ai trouvé, moi, sur une page de Huckleberry Finn, de Mark Twain, et voilà, c'était donc une de ses passions, c'est de réussir à caser Reto. Je crois que il est peut-être l'heure de nous acheminer vers les questions de Meredith. Oui, car Meredith se pose des questions. À un moment donné, elle est... Alors, qui est Meredith ? Meredith est une jeune mathématicienne, topologue. D'ailleurs, j'ai dit topologiste parce que topologue, je trouvais que ça ressemblait à podologue, et donc j'ai mis un anglicisme pour qu'on comprenne qu'elle... Voilà. J'ai donné un mauvais nom à une topologiste, à une topologue qui est topologiste, donc une mathématicienne. Elle est donc absolument surexcitée d'énervement à l'idée d'être un programme, et elle hurle « Je refuse d'être un programme, peste Meredith ». Elle est furieuse, totalement hors d'elle, même si c'est sans doute un effet indésirable du modafinil dont elle avale un comprimé toutes les 6 heures pour ne pas dormir. Adriane affronte un flot de questions auxquelles elle n'exige aucune réponse, mais tout y passe. Est-ce que le fait que je n'aime pas le café est inscrit dans mon programme ? Si un programme désire, aime et souffre, quels sont les algorithmes de l'amour, de la souffrance et du désir ? N'y a-t-il aucun moyen de prouver que non, ouf, en fait, nous ne sommes pas dans une simulation ? Qu'est-ce que la mort alors, sinon un simple end écrit sur une ligne de code ? Est-ce que Hitler, la Shoah, n'existe que,
Est-ce que Hitler, la Shoah, n'existe que dans notre simulation ou aussi dans quelques autres? Est-ce que 6 millions de programmes juifs ont été assassinés par des millions de programmes nazis? Ou encore, vivons-nous dans l'imposture d'une biologie du carbone, conçue autour d'une double hélice d'ADN, univers simulé par des extraterrestres dont la vie s'organise autour d'un triple hélicoïde et de l'atome de soufre? Et même si nous étions des êtres simulés par d'autres êtres non moins simulés, dans une simulation plus grande encore, si tous les univers simulés s'emboîtaient les uns dans les autres, comme des tables gigognes. Quelle dose de chaos est incluse dans cette simulation? Il y a du chaos, au moins. Existe sequer o caos? Deve-lhe de minste chaos. Porque há caos, não? Imali barem caos. Is there even any chaos? Ali obstai caos. E il caos esiste, almeno quello? Bon, è egyáltalán caos. Ein caos wenigstens gibt es. Pourquoi n'aurait-il pas conçu un paradis pour les bons programmes musulmans qui ont toujours mangé halal et qui se sont pieusement tournés vers la Mecque pour prier Allah 5 fois par jour? Un paradis pour les programmes catholiques qui sont allés se confesser à la messe tous les dimanches. Et mieux encore, pourquoi ces génies farceurs n'auraient-ils pas imaginé que chaque programme religieux prierait le mauvais Dieu? Et une fois mort, surprise mon pote, t'étais baptiste, bouddhiste, juif, musulman, mais il fallait être mormon du con. Allez, hop, tout le monde en enfer.